Chapitre 2, un grand arbre. Voici donc les mots insolites. C'est effectivement un endroit étrange. La gemme étoile se trouve dans un grand arbre, quelque part dans ces bois. Encore un peu, et on pourra voir le grand arbre. Et à l'intérieur. Grand-mère et mes amis et ma petite sœur m'attendent là-bas. Vite, allons-y. Et donc, nous voilà maintenant dans les bois insolites. Yark, yark, yark. Allez, au boulot, au boulot. Viviane, tu as bien compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je dois trouver ce garçon, Mario, et lui voler la carte des gemmes étoiles, c'est ça? Et puis ce Mario et ses amis, il faut leur régler leur sort sans hésiter, n'est-ce pas? Si nos informations sont correctes, ce Mario doit passer par ce chemin. On leur tend un piège ici, et on leur prend la carte. Viviane, qu'est-ce que tu as de si intéressant? Ah, c'est quelque chose que j'ai trouvé près de cet arbre. Un très très joli collier. Je n'ai pas pu résister, je l'ai ramassé. Les gamins qui ressemblent n'importe quoi par terre, ça me dégoûte. Pah! En fait, Viviane, sors-moi le portrait de ce Mario que nous a donné Crux Sinistre. Allez. Hein? Mais je ne l'ai pas. Les choses importantes, c'est toujours pour toi, tu dis toujours. Cesse de dire des âneries, je ne l'ai pas, ça ne peut être que toi. Prétendre que c'est de ma faute, c'est vraiment des manières de morveux. Mais non. Gna gna. Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn? Quoi? Un vieux à moustache? Ce n'est pas le moment, je suis occupé. Viviane, tu n'as quand même pas perdu ce portrait, n'est-ce pas? Non. Mais c'est que je ne sais rien à propos. Silence. Il n'y a que des gamins mal polis pour répondre ainsi à leur grande sœur. Les mômes comme toi, il faut les punir pour que ça se comprenne. Alors je garde le collier que tu as ramassé tout à l'heure. Oh non, Marjolaine, c'est trop injuste. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nya. Un problème, le moustachu? Tu vois pas que tu gênes? Allez, décampe, du balai. Allons, voilà, voilà. Donc, on a donc rencontré l'équipe qu'on avait vue pendant l'équipe de trio qu'on avait vue dans l'intermission avec Peach. Et donc, nous voilà contre des Cleft. Et bien sûr, les Cleft, on ne va pas pouvoir les... Je voulais essayer de le contrer, comme ça je m'étais dit ça sera bon. Parce que le problème c'est que le marteau de base ne peut rien faire pour le moment, je suis obligé de faire des coups forts pour le moment. C'est vrai que j'ai pas du tout fouillé les arbres pour vérifier s'il y avait pas des objets. Donc ici nous sommes contre des plants de piranha. C'est une plante piranha, une vieille connaissance au croc acéré. Elle s'est adaptée au monochrome des bois insolites. C'est bizarre, la nature. Point commun 4, puissance 2, défense 0.
Si tu sautes dessus, tu vas te faire mordre. Ah, petit vénard hein, qui tombe pile poil au bon moment. Donc là, malheureusement, Goulemili va pas trop me servir ici. Et donc 6 points obtenus. Et donc ici, donc déjà, on a un petit sirop de miel et on va juste fouiller les arbres, voir s'il y a des choses intéressantes dedans. Je ne crois pas dans mes souvenirs, mais bon, on va quand même vérifier. Ah si, on a un mouton dodo. En dehors temporairement les ennemis, ils ne bougent plus. Donc je vais quand même vérifier hein, s'il y a autre chose. Ah, il est temps que je vous montre un peu quelque chose, parce que comme nous avons obtenu une gemme étoile dans la précédente session, nous avons obtenu une nouvelle technique. Donc la technique coup de séisme fait trembler le sol pour infliger des dégâts aux ennemis. Et comme ça, on va voir un petit peu la... comment ça rend. Ok. Ah. J'ai appuyé un peu tard. Donc là, on va avoir besoin de style pour récupérer nos points d'énergie. Ok, rien d'autre dans les arbres ici. Vous l'avez vu, ce grand arbre? C'est au grand arbre où réside la tribu Pouni, comme je vous l'avais dit. Mais il y a aussi la tribu Pic-Pic et les Arak qui y habitent. Allez Mario, suis-moi. Si j'arrive à rentrer dans le tuyau, oui, je vais te suivre. Alors... donc nous voici au grand arbre. Alors, au grand arbre, je crois dans mes souvenirs qu'il y a un... il y a un morceau d'étoile caché quelque part dans mes souvenirs. Non, c'est pas un morceau d'étoile, c'est un badge. C'est un badge. Donc un PF+, donc comme le point cœur plus, hein, donc augmente les points fleurs de 5. Vous avez vu? Quelqu'un a mis une porte pendant mon absence. Et fermé à clé en plus. Et moi qui pensais pouvoir sauver toute la tribu. On dirait qu'elle ne s'ouvre pas de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Je sais, par ici Mario. Quand j'étais petit, grand-mère m'a parlé d'un passage secret. Ah. Seulement, trouver l'entrée risque d'être assez difficile. Et... l'entrée, tu sais comment la trouver? L'entrée est camouflée. Il faudrait enlever ce qui la cache pour passer. Mais comment enlever ce que l'on ne peut pas voir? Je sais. Dame Cumulia.
Je suis sûr qu'avec l'aide de Dame Cumulia, nous pourrons y arriver. Cumulia est une dame très douce et voluptueuse qui habite dans ces bois. C'est un esprit des nuages qui peut commander au vent. Alors elle peut sûrement faire voler d'une bourrasque ce qui cache l'entrée. Sa maison se trouve au fond des bois. Il faut revenir sur nos pas. Ah, ces bois sont si jolis. Quelle magnifique idée que d'avoir emménagé ici. Cet endroit est tellement différent de mon monde de strass et de bruit. Si calme et paisible. L'air de la nature me revigore et le cœur et le corps. Et puis, la beauté de Dame Cumulia retrouvera bientôt tout son éclat. Sans négliger ses charmes en pony. Ils sont si trognons quand ils font pony-pony. Mais quand je reste trop longtemps ici, je sens mon corps frétiller d'impatience. Ouh, il me faut de l'action. M'est-il donc impossible de laisser derrière moi les feux de la rampe? Il faut dire que je suis né pour brûler les planches. Mais avant de faire mon comeback sur scène, il me faut parfaire mon esprit et mon corps. Mettons-nous au travail et rendons cette beauté encore plus... Oh ? Oh ! Disparu ! Il a disparu ! Mon ! Il a disparu. Mais qu'a disparu ? Nous allons voir. Donc ! En allant vers l'est, on trouvera la maison de Dame Cumulia en un rien de temps. Donc ici, on a un bon repos. Ah, on a lui qui a été rajouté. Lui, il n'était pas là de base. On a le marchand ambulant qui a été rajouté ici. Bonjour, j'ai quantité de nouveaux articles en tout genre. Donc une fleur de feu, bloc-peau, mouton dodo, mini-mini. Donc il miniaturise temporairement l'ennemi et diminue sa puissance. Tu ne veux plus rien acheter? Dommage, j'ai pourtant des choses extraordinaires. Donc lui, il a été rajouté, il n'était pas d'origine ici. Tiens. Super, ça lui a fait aucun dégât. Non, je voulais pas faire du charme, je voulais changer. Ah, et en plus, à cause de ça, je vais pas pouvoir changer. Si je peux? Ouais, ok. Faut faire l'indique. C'est un zpuff, un nuage orageux. Pointure masse 3, puissance 2, défense 0. Ne touche pas quand il se charge en électricité. C'est comme un électrochoc. Quand il est chargé, il envoie des éclairs, donc finis-le au plus vite. Mince, je me suis loupé. Ah oui, c'est vrai que maintenant elle fait 4 de dégâts, hein, donc... Vu qu'on l'a amélioré lors de la précédente session. Oh, j'ai eu l'initiative, j'ai eu de la chance. Ah, j'ai ma manette qui commence à me dire qu'elle a plus de batterie. Thank you.
fait. Ah, putain, il se voit plus tant que ça, hein, le passage, ici. Donc ici, on a un petit passage pour... Alors déjà, hop, récupérer un morceau d'étoile qui est juste ici. Et cet interrupteur... qui permet de faire monter... ce tuyau, ainsi que la plateforme qui va avec. Et donc, on a... un soleil juste ici, parfait. Et un marteau séisme attaque les ennemis au sol ou au plafond. Donc le marteau séisme, ça c'est un... c'est vrai que c'est un objet, c'est un badge plutôt intéressant. En vrai, je vais enlever le super saut pour le moment. Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas enlever autre chose. Ouais. On attendra de pouvoir le mettre plus tard. Parce que le marteau séisme va être plutôt utile sur les ennemis avec de la défense élevée. Donc un nouveau morceau d'étoile. J'ai essayé un saut, ça s'est pas passé. Alors attendez, je vais juste voir si en faisant ça, ça marche. Ok, j'ai... hop, le petit contre. Ah. Il n'est pas passé ce coup-ci. Et le petit coup de séisme. On va retenter. Comme ça, ça m'apprend un peu les timings. Après, je sais que c'est un truc qui est... ah, le dernier, j'ai toujours du mal. C'est déjà sur GameCube, j'avais toujours du mal sur le dernier. Parce qu'il faut vraiment appuyer direct. Ok. Ici, je me souviens. Donc, celui-là, il était d'origine. Rien dans le... dans l'arbre. Et il y a... si, il y a un morceau d'étoile qui est caché ici. En vrai, ils sont bien cachés parce qu'on les voit très peu, hein, maintenant. Et donc, voici la maison de Dame Cumulia. Ohé, excusez-nous. Elle est peut-être sortie. Elle fait peut-être une balade dans les bois. Madame Cumulia, si vous n'êtes pas là, dites-le nous. Non. Non, n'entrez pas. Madame Cumulia, vous êtes là? Pardon? Ce Pouni Pouni Pouni, c'est Pugno, n'est-ce pas? Cela faisait longtemps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien, en fait, nous avons un problème et nous voudrions votre aide. L'entrée du grand arbre est bloquée et nous ne pouvons plus y entrer. Et à cause de ça, mon ami Mario ne peut pas aller chercher la gemme étoile. Nous aimerions que vous veniez avec nous pour trouver l'entrée secrète. Oh, c'est vrai? Et vous êtes venu spécialement jusqu'ici pour demander mon aide? En parlant d'aide, j'aurais justement un petit service à te demander, mon petit Pugno.
Seulement, je ne peux pas sortir dans un état pareil. Il vous est arrivé quelque chose ? Je ne peux sortir de chez moi sans mettre mon collier favori, mais j'ai dû le perdre lorsque je me suis promené un peu plus tôt. Je mourrais de honte si je me présentais devant des gens sans mon collier fétiche. Sans ce collier, ma beauté se fane et ma splendeur s'étiole. Il a l'air vraiment important, ce collier, hein ? Collier ? J'aurais pas déjà entendu une histoire de collier. Vous avez vu mon précieux collier ? Si oui, je vous en prie, rapportez-le-moi, c'est très important. Si vous y arrivez, je me joindrai à vous et j'apporterai mon aide au mignon petit pugnot. Ne vous inquiétez pas, Dame Cumulia. Mario vous retrouvera votre collier en un clin d'œil. N'est-ce pas, Mario ? Alors mettons-nous tout de suite à la recherche du collier. Je sais que c'est imposé, mais bon courage. Donc, voilà, voilou. Donc, on va aller partir à la recherche du collier. Et donc, vous vous doutez bien que le collier, c'est le fameux collier que Viviane avait trouvé. C'est injuste, Marjolaine. Le portrait que tu m'as accusé d'avoir perdu, en fait, c'est toi qui l'avais. Silence. N'essaye pas d'embrouiller les choses. Allez, jetons un coup d'œil à ce portrait. Hi, c'est le moustachu de tout à l'heure. Nya nya. Et voilà. Et encore une fois, Viviane, tout est de ta faute. Quand on aura fini, je te promets une punition pas piquée des hannetons. Mais, Marjolaine, c'est toi qui... Vas-tu te taire. On ne parle pas comme ça à sa grande sœur. Mais... Le collier que tu as trouvé... Je pensais te le rendre, mais vraiment non, pas question. Bouh. Tant pis, réfléchissons à un moyen de trouver Mario. Nya.